pointer lui. Pas doucement, essayer de le gagner. Essayer de le gagner. Alors maintenant, changement de cap. Pointer. Pointer. Avantage à fond. Ouais. Pointer. Essayer de le gagner. Tu gagnes en face de la sienne, allez papa, fais-moi un effort. Allez, laisse tout le gagner. Allez Léo, faites bien jouer à la tienne. Regarde, il est tellement idée qu'elle est montée. Alors Pascal, on est dans l'enfilade. Pascal Milei. Allez petit bonhomme, encore un effort. Bien là, première. Là. Alors Pascal, champion de France en doublette avec Ratnik, vice-champion du monde en 97 avec Briand et toujours Ratnik. Allez Pascal, allez, fais plaisir. Vice-champion de France en doublette mixte avec Peggy. Allez Pascal, où ? C'est déjà un palmarès. Oh oui. Concentré, regardez ce regard sur la boule. Bravo Pascal. Bravo, tu as failli le faire. Il a bien tiré. Il a failli le faire, il aurait pu faire contre dans l'autre. Bien tiré Pascal. Bien tiré. Tiens un poil plus bas, tu rentres dans les deux. Allez Tonio, c'est bien jouer ça là. Alors ils sont boule à boule, mais le point est pour l'équipe. Un besoin de toi Tonio. Allez papa, je vais te faire un effort. C'est bien jouer ça là. De Marco Foyo. C'est encore Fouillou qui a l'avantage. Mais quel départ! Quel départ dans la finale 7-0. Très important qu'Antoine Fernandez le gagne. Et il, bravo, gagne. Bravo, il bravo. A bien joué. Il a bien placé. Il est en contre, là, vous. Il n'y a rien de fait, ça, mon petit Pascal. Non, rien de fait. Et cette foule très compacte, très colorée, très bigarrée, 5000, on vous l'a dit, bah, plus de 5000 spectateurs et même, en plus, regarde, on a refusé du monde, on se bouscule. Pour pas avoir de contrat, celle-là, tu es obligé de la couper de moitié, tu peux casser celle-là. Allez, il faut le penser comme ça, c'est facile ça. Allez. Allez, Pascal. Allez, petit bonhomme, c'est rien pour toi ça, allez. Allez, Baston, allez, vas-y. Et Claude Milei, cuisinier de son état, si j'ose dire. Voilà. Est en train de mettre les enfants, les deux clés dans les grands. Au moins deux, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Quel jeu il produit? Un champion, là, voilà. Tu tires avec ta tête. Le bras, c'est bien, la tête, c'est mieux. Quatrième mène. Alors là, bien Pascal, super. Les choses maintenant se compliquent vraiment. Se compliquent, oui. Claude, j'ai appris aussi que vous avez d'autres passions. Vous êtes propriétaire de chevaux de course et vous avez eu un grand cheval qui a gagné le prix du président. Président. C'est qui, en quelle année? C'est en 85. Avec? Avec Mayfield, monté par Roger Duchesne. Notre le regretté Roger. Et son fils Arnaud se défend. Son fils Arnaud se défend très bien. La bonne voix. Ah, j'ai envoyé il y a 7 mètres. C'est des beaux souvenirs. Et oui, puis on va saluer votre ami Jean-Claude Serroul, qui doit nous suivre, le grand amateur de boules. Ah, bien sûr. Et de chevaux, bien sûr. De chevaux. Et de football aussi. Il y a de football. Il aime l'OM. Il y a très. Tu peux pas l'assurer, ta première ? Comme moi, pareil. Allez, Dom ! On est allé les suivre loin avec M. Serroul. On est allé jusqu'en Russie, encourager l'OM. Bravo. Allez, 4ème main, 9-0. On attaque la 5ème main. Avec Dominique Usaï. Oh, il joue bien pour l'instant. Oui, mais le problème, Claude, vous savez bien, dans une compétition comme celle-ci, quand vous savez qu'au départ, il y avait 3632 équipes, ça fait 10896 joueurs, ça en fait des parties. Vous savez que si toutes les parties sont en 13, le chiffre magique ici, à Marseille, c'est 12, parce que la 12e partie, c'est la finale. C'est la finale. C'est voilà, c'est la finale. C'est ça qui bon, alors, il faut bien comprendre qu'il y a des parties où on est moins bien que d'autres. Moins bien que d'autres. Surtout, ce qui est très difficile, c'est de mal partir.
Allez, encore. Elle a vu une belle frappe d'Antoine Fernandez qui a laissé le tir, ça c'est plus surprenant. Ah ben, il, peut-être en changeant, ça peut faire un petit déclic. Hop. Il avait manqué double jusqu'à présent. Et là, il a tiré en premier, il a frappé, un ça peut faire un petit déclic. Là, la seconde, là, rien. C'est la frappe. Alors là, le point de Dominique Uzaï est plutôt moyen. Donc l'opportunité pour Lionel Miquel, c'est de le gagner. Il va essayer. Ils auraient fait bon, ils auraient continué à tirer. Et là, il est bien gagnable le point. Mais il a gagné, mais il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Ils vont tirer un foyau sur un main. Pourquoi passer derrière le champ cette fois? Pourquoi passer derrière le champ cette fois? Ils vont pas se permettre de se faire fusiller. Tirer toi, moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Oui. Oui, catastrophe, oui, peut-être pas autant que vous le dites, mais catastrophe tout de même dans la mesure où il a fait le coup, mais il a enlevé sa boule. Mais bon. Ça, c'est grave. Hein. Ouais, ils peuvent ouais, ouais. C'est grave, ça perd pas. Il y a juste... Alors, par contre, ils n'ont pas bien fait de changer. Ah, puis il est juste à gauche de la boule. Juste à gauche. C'est pas grave, hein. Hein? Ils en ont deux. Alors, on peut rentrer dans le but. Ils en ont deux. Et boule à boule. Derrière. Trois boules contre trois. Contre quatre même. Ça fait rire tellement. Ouais. C'est quatre trop boules, beau, c'est un perdre drôle. C'est un perdre drôle. Quatre boules, ils ont envoyé le bras. Et le problème à eux. Pour la manquer, deux points par terre. C'est le faire bon. Allez, un bouchon de marque. S'ils tirent bien, ils peuvent faire une belle mêle. Mais on va leur souhaiter pour l'intérêt de cette finale, parce que pour l'instant, ils sont mal partis, ils sont menés 9-0. Ouais, ils sont relancés un peu la partie. Exactement. Alors Marco Foyo pointe maintenant pour le gagner, ce qu'il a fait. Ils auraient pu jouer aussi dans le bouchon. Bon, alors évidemment le public, vous l'avez compris, encourage cette équipe niçoise qui est plutôt malmenée. Et Antoine Fernandez a une boule à taper et elle est très importante. On a vu de la poussière. On vous l'a dit, le terrain est dur. Ah oui. C'est le soleil qui l'a rendu comme ça. Ce matin, au début des compétitions, il était bien arrosé, mais avec le soleil de plomb, il est devenu comme du béton. Il était injouable. Ça peut arriver, Pascal. Il a trop séché. Tirez 10 devant, bien droit, là vous sautez. Il l'a gagné. Et donc maintenant, Daniel Rizzo. Là, ils ont une bonne main, les Niçois, s'ils tapent. Hein. Attention. Il aime plutôt tirer loin. Ouais, mais là, il va y frapper. Ah oui. Bravo. Il a tiré. Dans le pointeur, il va sûrement tirer une boule importante. C'est 6 fois pas encore un coup. Mais non. 1, 2, 3. Allez, tu peux rentrer. Maintenant, envoyer le but. Ouais. Ils peuvent faire une grosse main, les Niçois, sur ce coup-là. Vous vous rendez compte? Pour une seule boule ratée, alors que Marco Foyo, depuis le début de cette finale, a été impressionnant. Il n'a pas manqué une boule. C'est la première boule qui vraiment il joue mal. On peut le dire, hein, parce que non seulement il a manqué, et il a frappé la sienne. Tu démerdes comme tu veux, mais tu essaies d'aller plus près. C'est la première main, depuis ce matin qu'on a joué, il a fait super. Il t'a passé au ras de la boule. Ok, passe. Ah, essaye de bien rentrer, tu peux couvrir le bouchon là. Allez, Pascal, fais un effort. Il faut qu'il se marie avec le bouchon pour contrarier le tireur niçois. Il avait joué. Hein. Oh. Ah, il a failli en bouchonner. T'es mis. Allez, Daniel. T'as bien joué, c'est vrai. Elle a tourné, mais enfin, tu es près du but. Moi, je pense qu'il va y frapper. Ah, ben là, de toute manière, il va avoir une question de ce course à vie. Allez, gros. C'est un joueur de haut niveau. Oh, il n'est pas droit. Catastrophe. Il n'est pas droit. Catastrophe. Oh, que cette boule-là était importante. Mais c'est pas vrai, ça. Ouais, c'était un tireur depuis loin. Il a sauté. Oui, mais alors, le problème, c'est que maintenant, Lionel Miquel, le pointeur de la triplette, va devoir tirer. Fais-moi l'effort. Allez, Lionel. Je me demande si, en cas... En demi, j'en suis sûr. Mais encore, j'ai des doutes.
Mais je ne l'ai pas vu tirer une boule, oui, parce qu'il a passé son temps à pointer. À demi, il a tiré, oui. Il a l'air. Ben là, il emmène le bouchon, il emmène tout, et que dit le verdict ? C'est invraisemblable. Ah, oui. C'est Foyot qui marque, je crois. C'est à moi, ça. Déjà, celui-là, il n'y est pas. Foyot, il en veut deux, lui. Deux, c'est déjà pas mal. Incroyable. Deux points pour Marco Foyot, dans une main où il pouvait en perdre cinq. Deux ou trois ? Deux points, Marco. Hein ? Deux, trois. Foyot, deux points, score. Foyot, 11. Attends. Daniel, trois points. Alors c'est même pire. Alors là, c'est plus grave. C'est non, 3 points. Rizzo, il dit qu'il n'y en a que 2. Alors, il n'y en a que 2, il y en a que 3, il faudrait peut-être s'entendre. Il y a des accords. Ah c'est, non, Daniel, c'est lui qui m'embrouille. Il n'y en a que 2. C'est la troisième boucle. Ah, je sens que ça va finir par être 2. C'est la tienne. Ça va finir par être 11-0 à l'issue de cette cinquième mène. Ça va, il n'y en a que 2. Alors, il n'y en a que 2, voilà. 2 points. Voilà. C'est quand même beaucoup. C'est clarifié. Il n'y a plus de doute là-dessus. On n'avait qu'à faire attention. Allonge un peu. Non. Quand j'envoie 7 mètres, ils ont manqué double, attends, là, vas-y. Je ne vais pas envoyer loin. Pourquoi tu veux j'envoie 10 mètres? J'envoie 8 mètres, ça suffit. Allez Domino. Allez encore mon pote. Allez. Allez Domino. Ah, je voulais aussi vous dire que pas mal de compétitions se sont déjà déroulées cette année. Vous savez qu'Anche a remporté la Coupe de France des clubs, c'était devant les caméras de France Télévisions et de France 3 en particulier, Anche qui succédait au palmarès à Montpellier, Anche qui est emmené par un certain Philippe Quintet, qui a été 6 fois champion du monde. Notre Quintet national. Exactement. Antoine Fernandez. Ah, il n'a fait qu'une casquette. Décidément, pour l'instant, ça ne roule pas fort pour l'équipe niçoise. Alors, je voulais vous dire que au championnat de France triplette senior à Souston dans les Landes, Christian Fasino, Daniel Voisin et Philippe Suchot succèdent à la croix le cas Emma. Et à Clermont-Ferrand, à Cournon, le 6 et 7 juillet, en tête à tête, Christian Fasino a décroché son sixième titre de champion de France. Il en a eu 4 en triplette, 5 en doublette, 5 en tête à tête et 1 en doublette. Je vous parle de Christian Fasino, pourquoi ? Parce qu'on va vous donner un scoop, Claude. Je l'ai eu au téléphone cet après-midi, Christian. Savait qu'il a tout gagné, sauf la Marseillaise. Et bien, il m'a donné l'assurance que l'année prochaine, il m'a fait un deal, qu'il viendrait jouer avec Marco Foyot. Alors, si Marco Foyot gagne ce soir son sixième titre et que Fasino vient l'année prochaine, il y en a un qui va aider l'autre à égaler Albert Pisapia. Et puis Marco Foyot va essayer de faire gagner Fasino son premier mondial. Ça serait formidable de voir Fasino ici. Voir Fasino à Marseille, ça serait alors fabuleux. Depuis qu'on l'atteint, Fasino à Marseille. Et ça sera un événement. Un grand événement. Allez, il est trop bon, ce. Allez, Pascalou, fais un peu de place. Alors, Milly. Bon, non, Pascal. Ah, il est bien, Pascal. Hein. Couvert, encore, tous. Bravo. Bien, Pascal. Bien, Pascal, on fait le jeu là. Hein. Je vous prends les 63 comme boule. Et Marco, il a cette force pour maintenir la pression, la bonne pression sur ses partenaires. Ouais. Parce qu'il sait, en homme d'expérience, qu'il a beau. Allez, voilà. Mené 11-0, il sait qu'à tout moment il peut y avoir un renversement de situation, un contre, un manque de réussite, les autres qui marquent 3-4 points, la confiance change de camp, le doute s'installe, et c'est ça la pétanque. Ouais. Mais là, il a bien joué. C'est là. La race des champions, comme j'ai connu dans le temps, des gens comme Magnani qu'on a cité tout à l'heure, des gens comme Bess,
Un qui m'a impressionné, un jeune, quand il est arrivé au boule, c'est Dédé Massoni. Oui. Celui-là, alors, c'était un extraterrestre aussi. Ça a été mon idole pendant des années, parce que vraiment, en plus, il avait une valeur humaine extraordinaire. Et puis, j'ai gagné des concours avec lui. Plaisir. Il m'a fait gagner des concours. Et on va dire un mot sur Bébert de Cagne, celui que l'on surnommait Bébert de Cagne, par Colao. Ah, c'était vraiment le top, lui aussi. Pascal Milley, très concentré, regardez ce regard perçant. Non, regarde. C'est Daniel. Ah, c'est un bâtard. Bien, on va Daniel, je ne pensais pas que. Bien petit réponse, y aura... bien. Pour l'instant, la situation. Ils sont bien impressionnants comme ils l'ont été en demi. Et Marco Foglio qui est le dernier. Avoir réalisé un doublé, c'était en 1983 et 1984, c'est donc le dernier succès de Foglio. Le plus beau, c'est le triplé. Et donc, 18 ans après, il est en passe de remporter sa sixième Marseillaise. Et ouais, en 1974, la première qu'il avait gagnée, il m'avait battu en moins de finale. En première défaite de la Marseille. Il n'y a pas un kilomètre. Marco Foglio a gagné en 74, en 75, avec, en 76. C'est le seul triplé d'ailleurs de la Marseillaise, c'est avec le les mêmes. Personne n'a réussi le Foglio. Le triplé, trois armes de filet, c'est gagné. Le seul. Il y a un CEP, Dominique. Et après, il a fait un doublé, Cocoyon Michesi. Une Girolle. En 83 et 84. Je pointais la mienne face au but. Ah, ben je pense que Marco, j'ai envoyé la mienne face au but. Peut-être arriver à battre le record de Pisa Pia. Non, mais il a gagné le point. Il a gagné le point. Il a gagné le point. Le jeu est dans le but. D'accord. Il fait un tour. C'est un casino à Marseille. Alors là, moi, je serai le plus heureux de. Ça va déplacer les foules. Ça me fera un grand plaisir de voir Fazino. Le vrai jeu, c'est ça. Tu as tout pour toi. Il a une bonne valeur. Tu gagnes le point face au bouchon. À peine tu donnes un coup de tête au but, tu fais tout la même. Vous savez qu'il a été sacré meilleur joueur du siècle. Oui. Ça, c'est une distinction. Et Marco Foglio qui va rester dans la région, puisque en ce mois de juillet, il y a le deuxième national des gentlemen à Septembre des Vallons. Ah oui, il y a tous les cracks. Hein. Quintet, Foglio, Lacroix, Passo, Simoès. Le tenant du titre, c'est les 16, 17 et 18 juillet. Et on retrouvera les Niçois et notamment Daniel Russo dans un tournoi exceptionnel, Europétan Casur. Je vous en parle parce qu'il va y avoir 500 jeunes. 500 jeunes, 3000 joueurs organisés par le dynamique président Jean-Claude Muscat. Les 21, 22, 23, triplettes seniors et tournoi de jeunes. Là, si vous êtes sur la Côte d'Azur, ça vaudra la peine de vous y rendre. Et pour en revenir au national de septembre de Vallon, qui commence mardi prochain, c'est 16 et 17 juillet, je suis le parrain du concours. Et quand j'ai eu toute mon heure de gloire, j'ai habité Septembre des Vallons. Je vais tirer Dominique. Marco. Et vous avez vu que. Allez, c'est toi qui as les boules. Eh ben allez, je fais un carreau sur deux, j'ai gagné. Le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Godin, est très attentif à cette finale. Il sait que. Allez, papa. Marco Foglio, sans doute, est en train peut-être de réaliser l'exploit. Il va. Peut-être allez, Marc. Remporter une sixième allez, couronne dans ce mondial. Allez, bravo. Ah, bravo. Ah, bien, Foglio. Bien tiré. Bonhomme, c'est la mienne, c'est la bonne. À l'air de Marseille, il va très bien. Bien bravo. Tiré, Marc, super. Bien taper la boule. Là, évidemment, les Niçois sont de plus en plus inquiets parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de sortir la tête de l'eau. Le grand Rizzo, il pointe, c'est que. C'est très rare. Hein. Alors, Rizzo, justement. Pas petit gros qui va la tirer derrière. On l'a vu tirer le but. Il l'a pris à la première. Mais souvent, il faut que le tireur ait debout là, pour tirer le bouchon. Ah, c'est préférable. C'est presque un coup sûr de boule, un bon tireur. Mais une boule, c'est plus critique. Mais il a bon
C'est une finale qui a duré. Ça a été un grand expéditif. Un petit peu moins d'une heure. Bravo. Formidable. Formidable Marco Folio, Milei et Dominique Usaï qui en moins d'une heure ont donc remporté la 41e édition de ce mondial La Marseillaise à pétanque.